il est bon le tour, le tour à Aubin, ça devient très tactique car le tour a été couvert en 8 minutes alors que jusqu'alors les différents tours étaient couverts largement en dessous des 8 minutes. On le voit au sub-serve. Allez Charbiot, allez tout de suite. L'ambition et l'envie d'aller chez le point dans cette épreuve. Nous avions donc au passage sur la ligne Jimmy Turgis. Le prof de Charbiot Chavagneux va-t-il réussir le grand chelem? Il a gagné les deux premières manches en troisième position. Place, nous avions bien terminé. A noter que tout va le mettre depuis la deuxième étape. Les deux premiers tours en tête. Le troisième tour, il est en troisième position. Et nous avons donc Melvin Rullière, le leader qui a gagné l'épreuve de Saverne. Il a gagné ce qui conduisait les poires à Miramas. Et aujourd'hui, pour la finale à Saint-Jean-de-Mont, il n'est pas exclu qu'il essaie de réussir le grand chelem qui lui permettrait d'avoir le maximum de points. Voilà, Yvon le Danois est attendu près du Collège des arbitres sur la Litaille. Yann, petit-fils de Jean. Deuxième position, Irwin Gras. Voilà donc pour le classement. Victoire, confirmation de tout cela. Donc
Au classement, on revient. Et troisième, Melvin Rullière. Rullière qui était installé à la première place au classement général avec deux victoires. N'aura pas réussi à obtenir une troisième victoire, c'est-à-dire d'assurer le résultat. On le devine, il y a une tension évidemment palpable lors de la dernière épreuve. On ne veut surtout pas se rater. Et Melvin Rullière, eh bien, assuré, il termine troisième de l'épreuve. Et cela est suffisant, bien évidemment, pour être le vainqueur.